Bonjour. À une semaine de Pâques, on voit venir de loin les beaux temps, les belles semaines. Après 5-6 semaines de bayou ici, tout ça va fondre, cette neige-là, et on va avoir plus d'eau qu'on en veut. Après ça, ce sera le retour dans le bois. Mais le bois, maintenant, c'est un peu plus dangereux que c'était. Et pour faire exprès, je ne parle pas de rignons ou d'ours, là. Je parle de la tique, parce que la tique vous pique et peut vous amener la maladie de Lyme. Ça, vous ne voulez pas avoir ça, croyez-moi. Il existe une huile essentielle qui couvre énormément de besoins de randonneurs et de campeurs, et j'ai nommé l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné est un anti-inflammatoire pour vos douleurs musculaires, articulaires. C'est un insectifuge. C'est un antifongique, c'est-à-dire que c'est un anti-champignon. C'est un bactéricide germicide, donc contre les bactéries, contre les germes. C'est absolument fabuleux pour tout ce qu'on appelle de bibitte, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Ça va vous prémunir pour vos anciennes piqûres, donc ça l'apaise les anciennes piqûres, ça l'apaise toutes les douleurs qui touche la peau. Vous pouvez l'incorporer dans un shampoing, donc 80% de shampoing et 20% de votre huile essentielle, et vous n'en mettez pas dans vos yeux. Ça, c'est sûr que vous allez trouver ça fort un petit peu, mais il n'y a pas un insecte qui va vous approcher de près ou de loin. Et aussi, pour votre peau, vous pouvez faire un petit push-push. J'aime bien les petits push-push. Celui-là, il est tout petit, c'est un 100 ml. Alors, dans de l'alcool éthylique, à 80%, le 20% restant, c'est votre huile essentielle, l'eucalyptus citriodora ou citronné. Et puis, vous vaporisez dans la tente, un petit peu partout, sur vous-même, il n'y a aucun problème. Il y a aussi la menthe poivrée qui, dans les régions plus chaudes, va vous rafraîchir tout en ayant à peu près les mêmes propriétés que le citronné. C'est-tu pas fabuleux, ça? Une chose, ça dure 2 heures avec la base d'alcool. Si vous voulez avoir une durée de protection plus longue, il faut opter pour l'huile végétale, même principe, 80% d'huile végétale et 20% d'huile essentielle. Mais ça tache l'huile végétale, donc pour les vêtements, non. Mais si vous êtes en short ou quoi que ce soit, ça va durer un peu plus longtemps que l'alcool éthylique. Donc, eucalyptus citronné et menthe poivrée aussi pour les randonneurs et les campeurs.